qui m'a dans le bouche. Je sais pas quoi dire. Oh, je sais pas. Je voudrais un bonhomme de neige ou faire du vélo dans la cour. Je suis une fille en manque de compagnie. Je parle au mur et à ces portraits qui m'entourent. Salut Jenna. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Baby Elena. Je m'étouffe. Aujourd'hui je vais vous présenter 12 faits sur moi que vous, normalement personne ne sait, sauf mes proches. Donc c'est parti. Putain, je vais craquer le siège. T'as entendu? Oh, ça va, ouais, dis que je suis grosse, connard. Ça se trouve, je vais me retrouver la gueule par terre. Le premier fait, c'est que je porte des lentilles depuis pas longtemps. Donc avant, je portais des lunettes. Donc je ressemblais à ça. Bonsoir. J'étais belle avec des lunettes. Une quoi? Une intellectuelle. Une intellectuelle. Le deuxième fait, c'est que je suis lunatique, bipolaire ou tout ce que vous voulez. Donc c'est à dire que des fois je suis de bonne humeur, d'un coup s'il y a un truc qui me vexe, et ben je vais râler tout le temps, toute la journée. En fait d'un coup je suis de bonne humeur souriante, d'un coup si je suis vexée je vais être comme ça toute la journée et je vais plus péter un mot. Troisième fait, c'est que j'ai peur des poissons. Ah bébé. Oh oui. En fait j'ai peur, je sais pas si c'est peur des poissons ou peur de l'eau, je sais pas trop. Si je vois pas à travers l'eau, ben, je vais pas dedans parce que j'ai trop peur qu'il y a des poissons qui viennent me manger les pieds et tout ça quoi. Bref, j'ai peur des poissons. Quatrième fait, je me ronge les ongles. Quand j'ai pas des faux ongles, ben, je me ronge tout le temps les ongles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Cinquième fait, je suis super frileuse, donc même quand il fait par exemple 30 degrés, ben, je peux sortir dehors avec une veste parce que j'ai tout le temps froid, même une écharpe. Et alors en hiver, je mets 4 pulls, 3 pantalons et 2 manteaux, comme ça je suis sûre que j'ai pas froid. Sixième fait, c'est que j'adore me maquiller, donc des fois je passe une heure à me maquiller, juste comme ça pour le plaisir. Avant même, je me maquillais le soir, avant d'aller dormir, comme ça. Puis après je me démaquillais, puis j'allais dormir. Vous pouvez demander à ma maman, son numéro c'est le 0406. Rigole, maman si tu passes par là. Fait numéro 7, c'est que en fait je suis folle, mais complètement folle. Genre des fois je suis toute seule chez moi, ou même pas toute seule, je m'en fous. Je suis dans mon canapé, sur mon téléphone, bah, des fois je vais parler toute seule ou faire des bruits d'animaux. J'ai un petit souci dans ma tête, mais bon. Genre je vais être chez moi, je vais faire... Alors je vais chanter, n'importe quoi. T'as dit quoi? Ça va faire 3 ans que je te le dis. De quoi? T'as un problème. T'es sérieux? Non, je rigole. Toi aussi t'as un problème. Ouais, mais je rigole, ça te prend pas la tête. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fait numéro 8. Je crois aux fantômes, aux esprits, tout ce qui est surnaturel. Lol. Quoi? C'est vrai, je crois aux esprits. Parce qu'en plus, avant, là où ma mère elle habitait, il y avait des trucs trop bizarres. Qui se passait chez moi, j'avais peur, je dormais tout le temps avec ma mère. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Raphaël, donc mon copain, il m'a dit qu'il avait vu sa grand-mère. Ça va, c'est bon. Alors moi j'ai commencé à... En plus il faisait noir, c'était le soir, et moi j'ai commencé à pleurer et tout, parce que moi je crois vraiment... Il me faisait pas une blague en plus, parce qu'il était sérieux. Alors moi j'ai commencé à avoir peur et tout, il a dit qu'il avait vu quelqu'un dans l'appartement, une femme, je sais plus quoi, tu te rappelles? T'es comme, c'est ma grand-mère. Non, t'avais ta grand-mère et une autre madame, une noire. Ouais, je sais pas ce que c'est. Alors moi, je croyais que j'allais mourir. C'est seulement une pauvre. Moi, après, c'était le moment de dormir. On était couchés dans notre lit, dans le noir total en plus. Et lui, il me dit ça et tout. Je commence à pleurer et tout. Et je pensais qu'en fait, il venait me chercher le fantôme parce que j'allais mourir. C'était mon heure. Je voulais venir te chercher. C'est moi, je lui laisse là pour ma vie. Ouais. Pourquoi tu viens pas dans ma vidéo un petit peu? Ah, maintenant, je suis pas coiffée. On va te coiffer. T'es si t'es beau. Ouais, je sais.
Fait suivant, c'est que j'adore chanter. En plus, je chante comme Ariana Grande et Beyoncé. Je chante tout le temps, toute ma vie, je chante. Ah, Fabien, n'est-ce pas? Ouais. Je chante tout le temps. Et je chante bien? Pas moi. Je chante comme une casserole. Si vous voulez, je vous fais une démonstration, ouais. Vous voulez ou pas? Non. Si, je chante quoi? Fait attends, je vais chercher un micro. Passez les oreilles. Run out on a cinema. I wanna be like all the time. And got no things and I cry. On a place au petit bobin si tu veux. Quoi, je chante bien quoi? Tu veux que je te fasse une demande d'admission? Quel enculé! Le fait suivant, c'est que. Quoi? Je ne sais plus. C'est ouais, c'est une église chez nous, ça va pas? Ah ouais! Le fait suivant, c'est que. Attendez, parce que là. Voilà. Je râle tout le temps. Et je suis une fille super chiante. Tout le temps, je râle pour rien. Pour un oui, pour un non, je râle. Je tire tout le temps la gueule. Je suis chiante. J'adore critiquer les gens. Je passe ma vie à critiquer les gens des fois. Je suis avec mon copain, avec Raphaël, on s'assied par exemple sur un banc. Et je regarde les gens qui passent et je les critique. Ah, t'as vu ses chaussures? Bah, elles sont moches. Ah, t'as vu ses cheveux? Ah, elle est moche. Tout le temps, je critique tous les gens. Genre, qu'elle a été chercher ses habits. Moi, tu me critiques. Je critique tout le monde. J'ai mis quoi comme pull? C'est super moche. De critiquitation. De quoi? De critiquitation. De critiquitation. J'ai un problème de critiquitation. Et le dernier effet sur moi, c'est que je ne sais pas dormir sans couverture. Donc même s'il fait 50 degrés, il faut toujours une couverture. Je vais t'attraper les pieds. J'allais le dire en plus. Ça, je te jure que j'ai noté en plus. Parce que déjà demain je suis frileuse. Donc j'ai tout le temps froid, même si j'ai chaud, j'ai froid. Et en fait j'ai peur. Déjà j'ai peur du noir. Donc quand j'éteins toutes les lumières chez moi, que je me couche dans mon lit, j'ai super peur. Tu as peur du noir? Dis-donc. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'en fait, mon copain, c'est le plus gros fainéant de toute la Terre. Il a peur de... Non, il a pas peur, qu'est-ce que je raconte? Il est fainéant, il aime pas se lever pour éteindre la lumière. Donc c'est toujours moi qui dois le faire, éteindre la lumière. Mais moi, comme j'ai peur, en fait, je vais éteindre la lumière. Je fais comme ça. Dès que j'appuie, je cours et je saute dans mon lit comme une flèche parce que j'ai peur. Et en fait j'ai peur aussi du monstre qui est en dessous de mon lit. Je suis sûre que je suis pas toute seule, que vous aussi vous avez peur du monstre qui est en dessous de votre lit. Que vous vous imaginez qu'il va venir comme ça, vous manger les pieds, vous attraper les pieds, vous tirer là. C'est quoi tous ces bruits là? Donc la vidéo s'arrête là, j'espère que vous en savez un peu plus sur moi. Et que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mes réseaux sociaux. Et surtout, mettez-moi des petits pouces vers le haut, ça me ferait super plaisir. Bisous. La base virale VPS a été mise à jour. Mise à jour. Une menace a été détectée.